Salut, je m'appelle Théo, et aujourd'hui, moi, Théo Big Univers, je me lance dans les vidéos avec des dessins animés. Dans ce genre de vidéos, je raconterai des anecdotes de ma vie sous forme de dessins. Alors dites-moi, quand vous aurez regardé la vidéo jusqu'à la fin, si ce format de vidéo vous plaît. Bon allez, on passe à l'anecdote de cette vidéo. Donc, pour que vous soyez dans le contexte, nous sommes en 2021, enfin je crois, pendant les vacances d'été, donc tout se passe normalement, des balades, des magasins, etc. par-ci, par-là, et puis là d'un coup, sans prévenir, j'ai un mal au ventre de malade, de la fièvre, et plein de choses incroyables. Donc pour vous dire, juste la douleur au ventre était équivalente à se faire poigner. Donc là, mon père m'emmène d'urgence à l'hôpital, love papa forever. Donc on arrive à l'hôpital, les infirmiers me prennent en charge, ils me mettent 32 fils dans mon corps et me diagnostiquent une pyélonéphrite. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une pyélonéphrite, c'est que ton rein est littéralement infecté par une bactérie dont le nom est trop long, donc je ne vais pas le dire. Donc revenons à notre histoire, je suis dans mon lit d'hôpital, je me réveille et je sens quelque chose sur ma main. Et cette chose, c'est un bandage avec un fil en plastique avec du sang dedans. Donc les infirmiers me disent qu'ils avaient fait une prise de sang et qu'ils devaient me remettre du sang en moi. Donc là, je suis soulagée. Donc le lendemain, on me réveille, on m'apporte mon déjeuner, etc. Et puis là, une infirmière vient et me dit qu'elle va m'injecter une substance pour enlever le mal de ventre. Donc elle me pique et elle me demande si ça fait mal. Je lui dis que oui, ça faisait mal. Et puis là, d'un air totalement innocent et serein, elle me dit « Ah, ta veine a explosé. » Donc voilà, je suis mort de peur. Je m'imagine 86 scènes de comment je vais mourir, etc. Mon daron à côté était furax et prêt à la démonter. Mais elle dit que la veine va se refaire, etc. Donc là, je suis soulagée et je peux enfin rentrer chez moi. Donc voilà les gars, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, mettez un commentaire de ce que vous pensez de ce nouveau format et abonnez-vous. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.